Je suis Priscille Zongo, Burkinabé, originaire du village de Doudou, la toute première communauté au Burkina Faso que TDS a soutenue pour mettre en place un village d'accueil. Alors, ce village d'accueil, le premier séjour test qui a eu lieu en 1999, j'étais là, aux côtés de ma mère comme cuisinière. Donc j'ai vu le projet naître et j'ai suivi son évolution. Et ce projet, à tout point de vue, a des retombées pour le village, d'abord pour le Burkina tout entier, mais pour le village de Doudou en particulier. Dans ce sens que c'est d'abord un projet, ce qui est vraiment important, c'est la valorisation de la culture, de notre culture, de ce que nous avons d'authentique, de ce que nous avons de cher. Alors, et aujourd'hui, avec la présence des voyageurs dans le village qui viennent de temps en temps dans les villages, ça a permis de valoriser notre culture parce que voilà, c'est un tourisme basé sur l'échange, sur la rencontre de l'autre, hein, sur l'échange culturel, d'où la valorisation de ce que nous avons, notre culture. Donc il y a des troupes de danse qui se sont créées dans les villages, hein, pour donner des prestations, pour faire des prestations. Et ces troupes de danse-là ont permis de valoriser certains pas de danse qui étaient en voie de disparition, mais aussi de permettre une certaine de former la jeunesse, hein, qui aujourd'hui est beaucoup plus dans les classes d'école et l'apprentissage qui ne se fait plus de père en fils ou de mère en fille. Donc du coup, cette troupe de danse-là qui naissent, qui se crée dans les villages d'accueil, dans les villages pour permettre l'animation dans les villages d'accueil, permettre de pérenniser ces valeurs culturelles que nous avons. Il y a aussi que c'est un tourisme qui est basé sur l'artisanat aussi, donc la visite des artisans, donc de boulanger, la vanière, le potier ou la potière du village. Donc tout ce que nous, depuis longtemps, les Africains savent faire avec leurs mains, avec des matériaux simples, donc issus de la nature. Donc l'échange est aussi basé sur ça. Donc la visite qu'on fait aux artisans au cours des rencontres permet aussi de valoriser l'art africain, mais aussi de donner une valeur ajoutée à la production de ces artisans qui manquaient de débouchés, on peut dire ça comme ça, mais aussi que ça permet aussi de perpétuer ou de pérenniser, hein, certaines pratiques aussi dans le milieu de l'artisanat. Ensuite, il y a les réalisations que les villages font avec les bénéfices du séjour. Alors ces réalisations vont tant bien dans l'éducation, dans la santé, dans l'hygiène, dans l'assainissement. Et ces réalisations ont permis des retombées considérables dans le village. Donc sur le plan de la scolarisation, un village comme Doudou est à près de 90% d'enfants scolarisés. Et ça, c'est dû à la contribution des réalisations que le CVD arrive à faire à partir des bénéfices du village d'accueil. Il y a aussi la santé. Donc aujourd'hui, Doudou est doté d'un CSPS qui a été équipé, hein, qui a été équipé avec l'argent issu du village d'accueil. Donc du coup, il y a l'accessibilité des soins de santé. Et avant, les femmes étaient obligées d'aller à Tenadou, à 7 km de Doudou, pour les accouchements. Aujourd'hui, on a une maternité dans le village. Et oui, les femmes savent, elles apprécient. Il y a aussi que ça permet de diminuer le taux de mortalité enfantine. Parce que bon, quand on a eu un travail qui dure, donc du coup, les enfants naissaient, les femmes mettaient au monde des morts-nés. Alors donc, à cause de la proximité de la maternité, a fait que ce taux-là a régressé considérablement. Mais la contribution aussi, une contribution aussi importante du village d'accueil dans le village de Doudou, c'est qu'il y a aujourd'hui des structures qui naissent, des associations, des structures comme le CVD, comme le comité de gestion, hein, qui essaient de prendre en charge le développement du village. En ce sens qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a réellement une société civile qui est en train de naître dans les villages soutenus par TDS, parce que ces structures-là savent exactement ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent, et font des démarches auprès de l'administration pour réclamer la réalisation de certaines infrastructures dans leur village. Donc on peut dire en somme que c'est
c'est vraiment important qu'on puisse pérenniser cette activité parce que ça contribue réellement au développement local des villages.